Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à nouveau au Krebs de Châtenay-Malabry sur la chaîne YouTube de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Volley. Nous avons le plaisir de vous commenter aujourd'hui le dernier match de la poule A des Interpol. Bonjour Julien. Salut Jocelyn. Donc nous sommes heureux de tous les deux de pouvoir commenter cette rencontre. Julien Lamy, manager du Plessis Robinson. Tout à fait. Et Jocelyn Trion, entraîneur au Pôle France de Montpellier. Cette rencontre verra donc s'opposer le pôle de Cannes, qui sera ici avec un maillot blanc et violet, un joli maillot original. Et son adversaire du jour sera donc le pôle de Wattignies. Donc c'est le troisième match de cette poule. Aujourd'hui, Cannes est plutôt en ballotage, on va dire, favorable. Tout à fait, presque qualifié. Avec deux victoires contre Strasbourg et Lyon, donc une victoire 3-0 et une victoire 2-1. Et en face, son adversaire, Wattignies va devoir aller chercher une victoire pour pouvoir se qualifier. Et en plus, ça va dépendre de ce qui va se passer dans l'autre rencontre qui a lieu en même temps. Voilà, et s'ils veulent être maîtres de leur destin, ils seront obligés de remporter la rencontre par 3-7-0, ce qui ne sera pas une mince affaire au vu de l'adversité des sudistes. Alors, une belle opposition entre les deux pôles les plus excentrés, le pôle le plus au nord, Wattignies, et le pôle le plus au sud, Cannes. Toujours des rencontres très attendues. Alors, les joueurs se connaissent tous, parce que bon, dans ces générations-là, on en disait pas mal hier, ils se croisent sur les Coupes de France, et ils se rencontrent aussi souvent l'été sur des tournois. Mais ils ne se sont pas encore rencontrés, parce que sur les interpôles sud et nord, voilà, ils ne sont pas dans les mêmes hémisphères, on va dire, et donc ils ne se sont pas encore joués. Les forces en présence. Alors hier, on a eu la chance de commenter aussi le match de Wattignies contre Strasbourg. On avait vu hier une équipe de Wattignies avec un Adelin Novacic, avec un Robin Wisniewski assez performant, avec une diagonale passeur pointu qui a tourné au fil de la rencontre. Ouais, je dirais même deux diagonales passe-pointe performantes, en plus de ces deux bouts de filet performants. Et c'est avec les six titulaires plus les remplaçants que Wattignies est allé chercher une victoire de 7-1. J'espère qu'ils ne regretteront pas le 7 laissé en route. Voilà, et qu'ils pourront en gagnant le match 3-0, aller chercher la qualification. Et en face, on a donc une équipe avec des joueurs qu'on va pouvoir un peu présenter. Le libéro, monsieur Gardavoir Viard. On va avoir à la passe monsieur Strootman. Alors j'oublie une partie du nom de famille, Schmidt Strootman, Thomas. On va sûrement avoir au centre monsieur Delaporte. Et les autres, on les présentera quand ils seront sur le terrain. Voilà, on va supposer plus que ça. Voilà, c'est le troisième match de cette phase de poule. Les classements sont quasiment figés. Hein. Si le pôle de Cannes remporte un 7, ils assurent quasiment la première place. On verra peut-être même un petit peu de rotation là, des deux côtés pour la suite de la compétition. La suite de la compétition, ce sera demain. Ce sera demain après-midi avec un nouveau format. Hein. Les matchs de poule ont été joués en 3 sets secs. Voilà. Même si une équipe mène 2-0, le troisième set est joué. Demain, on repartira sur une formule plus classique pour les demi-finales gagnants du tableau gagnant et du tableau perdant, avec des matchs en 3 sets gagnants cette fois-ci et possibilité donc d'un tie-break au cinquième set. Même chose pour la finale le jeudi matin. On peut vous donner rendez-vous déjà sur la chaîne YouTube de la DTN. Donc avec un horaire de finale prévu à 10h30 jeudi matin. Voilà, les demi-finales demain après-midi à partir de 14h et 16h30 pour le deuxième match. Et puis les finales à partir de 10h30. En direct et en ligne, là, nous avions monsieur Marc Francastel, entraîneur national et entraîneur aussi au Pôle France de Montpellier. Et aussi, ce monsieur, vous le reconnaissez sûrement, qui s'installe,
Monsieur Stéphane Faure, un de nos grands anciens internationaux, qui a eu l'honneur de voir son nom donné à un gymnase au Krebs de Talence. Et on est très content pour lui. Il nous fait l'honneur de venir nous voir aujourd'hui, de passer la journée avec nous. On est toujours très content de voir Stéphane, qui a entraîné pendant très longtemps le pôle espoir de Talence. En sa présence, on a évoqué Marc Francastel, Cédric Dubois, l'entraîneur de Châtenay, et Philippe Salvan, le responsable de la détection nationale pour le secteur masculin. Ah ouais, c'est une des caractéristiques de cette compétition en tribune sur le bord du terrain. On a beaucoup d'entraîneurs nationaux. Ça rajoute un petit peu d'enjeux pour les jeunes qui visent pour certains des sélections en équipe de France jeunes. Et si on pouvait aller chercher jusque dans les tribunes, on verrait même des entraîneurs de clubs professionnels et des centres de formation qui viennent observer, détecter les futurs joueurs professionnels de demain. Cette rencontre sera donc arbitrée par Monsieur Abderrahman Youssaïden en premier arbitre et Mademoiselle Christina Salinas en second arbitre. Les joueurs sont donc sur le terrain. On va pouvoir affiner la présentation des équipes. Comme on évoquait tout à l'heure, Monsieur Viard Gardavoir sera donc le libéro. On va commencer par le libéro pour une fois d'une équipe. Le libéro, c'est ce joueur qui a donc le maillot d'une couleur différente. On réexpliquera peut-être pendant la rencontre quel est son rôle, ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire. On a donc à la pointe, on va avoir Monsieur Ebagne. On va avoir en récep attaque le numéro 10, Monsieur Corlier, le numéro 8, Monsieur Setenac, et les centraux. Alors le central qui est pour l'instant sur le terrain, c'est Monsieur Zaidi. Monsieur Delaporte entrera sur le terrain quand le libéro sortira. Allez, première belle offensive par le centre. Ouais, Timéo Zaidi a attaqué cette balle courte, donc cette balle jouée très près du passeur dans un temps rapide pour prendre de vitesse le contre adverse. C'est ce qu'il a réussi à faire et il ouvre le score. Service pour le pôle de Cannes. Dans le filet directement par Thomas. Il va falloir re-rentrer dans cette nouvelle partie. C'est le deuxième match de la journée pour ces équipes qui ont déjà joué ce matin. Donc c'est vrai que là ça s'enchaîne. Il va falloir aussi gérer la fatigue. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Julien. Parce que la compétition est loin d'être terminée. Allez, service flottant dans la diagonale. Et le pointu fait une belle frappe. Une belle attaque en poste 4 dans la diagonale. Voilà, et on a vu là le travail du central qui venait de marquer le point sur l'échange précédent. Il est remonté en balle courte, on appelle ça une fixation de temps en temps. Il a obligé le central adverse à rester face à lui et le passeur a pu décaler son attaquant en poste 4 et offrir une situation favorable à son attaquant. Alors ça va être une belle opposition parce qu'avec les deux dernières attaques qu'on vient de voir entre le pointu canois et le pointu de Wattini, je pense qu'on va avoir. Ils vont faire parler la poudre cet après-midi entre le pointu de Wattini, Tupou qui vient l'attaquer, qui avait fait une belle partie aussi ce matin, hier, même s'il a partagé son temps avec Mailleux. Il va y avoir fort à faire cet après-midi entre ces deux pointus. Service flottant directement sur le libéro. Passe en 4. Et défendu pour Wattini qui enchaîne Adelin Novacic. Le contre s'est fait surprendre. La balle a tapé le contre et a juste rebondi au-dessus d'eux. Et les joueurs n'ont pas pu communiquer entre eux pour essayer de la jouer. On se rend compte là que Wattini s'est préparé à ce combat. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur et ils commencent ce match tambour battant. De nouveau le numéro 8 qui est cherché en réception. Encore une attaque par le centre qui est défendue par Wattini. On va rendre le ballon et l'arbitre a sifflé parce que, alors je ne sais pas si vous le voyez à l'antenne, mais au-dessus du terrain de volley, il y a un panier de basket. Et il y a des câbles qui sont tendus sous le panier de basket. Et le ballon qui a été ramené par Tupou a touché un des câbles. Donc c'est considéré comme une faute. Le ballon ne peut pas toucher le plafond ni les câbles suspendus. Le ballon ne peut toucher aucun élément extérieur excepté le filet entre les deux antennes.
Allez, une faute de Ouattini qui donne la main à Khan, qui met son premier set 4-3. Manu Le Provost sur le bord du terrain qui passe ses consignes à son central. Quel type de fixation ils vont mettre en place? Quelle stratégie ils vont organiser? Alors pour ça, il faut avoir une réception correcte. Le service a été performant et c'est plutôt Khan qui a la main dans ce point. Et une défense d'Adelin dans la diagonale qui va toucher une poutre. On voit Adelin là qui va sortir sur la petite diagonale pour défendre ce ballon. Ballon qui était peut-être out. Et donc le ballon, on ne le voyait pas à l'antenne, mais il est allé toucher le plafond du gymnase. Et donc point pour Khan. 5-3. Allez, service matché sur Adelin Novacic avec un point de fixation au centre du terrain. Et Adelin qui conclut par un bel enchaînement en 4. Il vient percuter entre les deux bloqueurs. Comme t'expliquais tout à l'heure, le central de Khan est resté un petit peu long, un peu plus longtemps face à son central. Et ça a permis au passeur de Ouattini de décaler son attaquant. Allez, Adelin qui fait le point et qui permet à Ouattini de revenir à 6-4. Pardon, excusez-moi. Point pour Khan, Zaidi au service. Probablement une petite erreur de scoring sur votre écran qui va être corrigée assez rapidement. Allez, service sur Adelin. Passe derrière pour son pointu de la part de Le Provost et Tupou qui, par une belle frappe diagonale, n'a pas permis aux défenseurs de pouvoir conserver la balle. Point pour Ouattini qui est mené 5-6. Service matché depuis le poste 1 directement sur le numéro 8 Canois qui va devoir enchaîner aussi en 4. Une frappe dans la diagonale aussi qui trouve le carré. Et Khan qui reprend le service. 7-5. 7-5 pour Khan. Ouais, je trouve ça intéressant là, par rapport au match qu'on a commenté ensemble hier. Là, le travail des passeurs qui accélère le jeu vers les ailes. On a des tempos un petit peu plus rapides qui sont donnés et qui permettent d'offrir des situations plus aisées aux attaquants. Des situations plus franches. Et un peu de réussite pour le serveur canois. Ce que tu dis, c'est que entre le temps, le moment où le passeur touche le ballon et le moment où l'attaquant tape la balle, le temps est un peu plus réduit, comme les trajectoires sont plus tendues. Et donc pour les contreurs centraux adverses, ça leur laisse aussi donc moins de temps en conséquence pour se déplacer, ce qui offre des blocs plus ouverts. Et donc pour les attaquants, plus de possibilités pour marquer le point. Tout à fait, c'est exactement ça. Et pour que le passeur puisse accélérer ses tempos, il faut que la réception soit de bonne qualité, à savoir assez haute et près du filet, comme celle-ci. Avec une belle fixe arrière donnée par Thomas pour le numéro 7 de la porte qui va aussi enchaîner au service. Et là, on aperçoit qu'au moment où le central va au service, l'autre central rentrant sur le terrain, le libéro est dehors. C'est pour ça que le libéro n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Le libéro pourra rentrer quand Khan aura perdu le prochain échange, alors celui-là ou un autre. Là, en l'occurrence, Khan remportant ce point-là, de la porte va repartir au service. Il rentre en série au service. Khan mène 10-6. Et tant que Khan marque ses points, eh ben, il joue avec les 6 joueurs de champ, le libéro étant sur le banc. Soit pour recevoir des consignes, pour se reposer. Alors que Ouattini opère un changement pour casser un petit peu le rythme du serveur. Allez, service en plein 6. Encore une fois, une réception qui ne permet pas aux passeurs de jouer cette balle. Et Khan se retrouve avec un nouveau ballon de contre-attaque qu'ils exploitent bien par une pipe en plein milieu du terrain. Alors puisqu'on est dans les explications, la pipe, c'est cette attaque par un joueur qui est arrière et qui va prendre son impulsion en arrière de la ligne des 3 mètres pour pouvoir attaquer le ballon. Ouais. Là, je pense que du côté canois, on est content parce qu'on a vu, on a vraiment vu une construction là qui ressemble aux attendus du haut niveau.
face à une balle haute de Wattini, une attaque sur balle haute de Wattini, les Canois sont allés contrer à 3. Donc ils ont sauté à 3 au contre en face pour rendre la tâche plus difficile à l'attaquant, permettre une défense et ensuite donc un joueur de la zone arrière est venu contre-attaquer dans cette attaque qu'on appelle la pipe. Et les Canois qui sont assez performants en ce début de match avec déjà un bon 7 sur 9 à l'attaque pour l'ensemble de l'équipe, ce qui est vraiment une très bonne performance contre un 4 sur 7 pour les joueurs nordistes. Et donc ce qui explique aussi cette différence au score et Cannes qui met à mal la réception de Wattini, ce qui leur permet de mieux s'organiser. Alors là, Adelin fait une belle réception et là le passeur en profite pour faire une deuxième main. Alors je sais pas ce que t'en penses Jocelyn, mais quand ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas très bien réceptionné, moi je suis plutôt partisan de faire profiter aux attaquants de la première bonne réception plutôt pour les laisser dans le match. C'est l'attaquant qui parle là. Ah, c'était bien joué, c'était une belle deuxième main de... Ah, les Canois n'ont pas bougé, ouais. Encore une réception correcte de la part de Cannes. Alors, elle n'est pas très bonne, elle est correcte dans le sens où le passeur, il est sur la ligne des 3 mètres, il peut faire une passe en suspension, c'est-à-dire qu'il va sauter pour faire sa passe, ce qui lui permettra aussi de pouvoir proposer ensuite à son attaquant un jeu un peu à plat, comme on expliquait tout à l'heure, et donc de pouvoir démarquer ses attaquants et leur rendre la tâche plus facile. Cannes qui joue très bien ce début de partie. Il suffit de dire ça, évidemment. Un échec au niveau du service. Alors, on nous demande aussi assez souvent, et pourquoi il y a autant de fautes au service? C'est quand même pas compliqué pour des joueurs qui s'entraînent autant de faire moins de fautes. On essaie d'expliquer depuis tout à l'heure que le rapport de force entre le service et la réception est vraiment capital dans un match de volley, parce que si on sert trop facile, le passeur va se retrouver toujours dans une très bonne situation, avoir toujours 4 possibilités d'attaquant. Et donc par un jeu rapide, il a de très grandes chances de faire tourner son équipe et de faire marquer. Donc les serveurs sont obligés de prendre des risques de manière à mettre à mal la réception adverse pour mieux organiser son bloc défense. C'est vraiment ce jeu-là de rapport de force, dans ce premier rapport de force entre le service et la réception qui est déterminant au volet et qui souvent fait la différence à haut niveau. Oui, les attendus du très haut niveau, c'est sur une réception parfaite. Avec la puissance physique des attaquants, voilà, on a un taux d'efficacité qui frôle les 75 ou les 80% sur récepte parfaite, alors que sur une récepte plus loin du filet, une récepte minimale, comme on peut le dire, là, l'efficacité est plutôt de l'ordre de 40 ou 50%, peut-être 55% de temps en temps. Donc en fait, c'est important, c'est primordial de déstabiliser la réception pour avoir une chance de marquer un point. Ah, et ça pèse psychologiquement aussi sur les équipes. Là, on a encore vu un ace de la part de Cannes, un joli ace sur la ligne extérieure dans la diagonale. Ça met une pression permanente aussi sur les joueurs adverses. On a l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses Julien, que Cannes là est bien parti, ça déroule, ils sont en confiance après leurs deux premières victoires. Et on sent qu'ils ont, ils sont vraiment bien dans leur rencontre. Ouais, ils font la course devant, ils ont déjà 6 points d'avance. Et alors, même si c'est complètement irrationnel, on a tendance à dire que c'est plus facile de servir quand on mène dans un set. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et puis Wattini, là, on vient de le voir, il va servir encore une fois sur le libéro, qui est aussi un spécialiste de la ligne arrière, là, qu'on va voir ressortir tout de suite, là, parce qu'il y a un central donc, qui arrive au service. Et donc le libéro, on essaie plutôt de conseiller à nos joueurs de les éviter parce que normalement ce sont plutôt des bons réceptionneurs. Allez, toujours un service au smash, le passeur au filet qui va pouvoir jouer en bout de filet vers Adelin, mais là de la porte a bien coupé la trajectoire, donc le central canois est venu compléter le contre de son ailier, a essayé de se coller au plus près. Et en allant toucher le ballon chez l'adversaire, là, faire un beau contre-offensif et marquer le point directement. Et les Canois mènent 17 à 9 dans cette première partie. Avec un 10 sur 13 à l'attaque, ça continue à dérouler. Allez, le passeur qui redonne à Adelin en 4 pour aussi conserver un de ses attaquants majeurs dans la partie. Et qui a démarqué, qui a bien démarqué son attaquant. Il a fait croire
au central adverse qu'il allait jouer derrière pour en fait envoyer le ballon devant vers le poste 4. Donc quand on regarde le filet, l'aile gauche. Et là, c'était un joli 1 contre 1. Ah, il faudrait une petite étincelle du côté de Wattini. Et pourquoi pas par son pointu, Tupou, qui est un joueur, qui est un joueur puissant et qui va être toujours trop long. Ça force le jeu, ça fait des fautes. Ouais, il était un petit peu sous sa balle au service. Et il n'a pas pu la rabattre pour aller chercher le terrain. Et donc, quand même, dans les points forts là, de l'équipe canoise, là, on a une paire de centraux qui est assez intéressante et qui fait un bon début de match. Là. Ah, de la porte, il commence à avoir un petit peu d'expérience parce que c'est un joueur qu'on a déjà vu avec l'équipe de France U16. Donc il apporte cette expérience au centre. C'est un joueur qui est assez technique. Allez, on va toujours martyriser la réception de Wattini. Là, il va falloir trouver des solutions du côté des Noirs pour enrayer cette belle mécanique canoise pour le moment qui mène 20 à 10. Allez, temps mort de Manu Le Provost pour essayer de remobiliser tout son monde. Pour le coach de Cannes, Simon Quéron, c'est d'essayer de conserver cette dynamique à son équipe, de, comme on dit, dans ces moments forts pour son groupe, de demander à ce que les joueurs insistent pour ne pas laisser l'adversaire espérer revenir. Du côté de Wattini, ça va plutôt être l'inverse. Ça va être, eux, au contraire, résister, et puis essayer de, à un moment donné, de saisir une opportunité pour inverser la tendance et puis faire douter ces Canois qui, pour l'instant, semblent bien solides. Hein. Ah oui, tout à fait. Là, ils sont peu inquiétés. On a une stratégie de service qui est assez claire. Je ne sais même pas si le libéro de Wattini a touché un ballon en réception depuis le début de la partie. Il ne me semble deux ballons sur 15 services. Voilà, à nouveau un service à l'opposé du libéro. Alors que Garlavoire en a déjà touché 4 sur 10 services. Ouais, donc peut-être aller faire travailler pour les joueurs de Wattini, peut-être aller faire un peu plus travailler les réceptionneurs. Allez, le double changement que le coach de Wattini fait quasiment à tous les matchs ou à tous les sets. Double changement, il fait sortir son passeur et son pointu en inversant leur position de manière à se retrouver dans une situation avec trois attaquants devant. Donc là, le passeur, il se retrouve en poste 1 et son pointu en poste 4. Toujours cette réception qui a du mal à arriver. S'il sollicite son joueur derrière, Adelin qui part une feinte, se fait contrer. Et là, vous voyez beaucoup de joie là, de la part des joueurs canois qui remportent cette action assez classique au volleyball qu'on appelle un pouce-pouce. Donc un pouce-pouce, c'est quoi ? C'est le ballon est juste au-dessus de la bande. Les deux joueurs poussent le ballon. Et le but est souvent ce qu'on dit de pousser le ballon en dernier pour le rabattre dans le terrain adverse. Là, c'est une démonstration de contre. Encore une ballotte pour Wattini à gérer. C'est un peu compliqué. 23-10, Cannes déroule. Et puis on voit aussi les visages un peu perplexes des nordistes qui se sentent un petit peu démunis là. Alors que les Canois, à chaque fois qu'ils marquent un point, sont très euphoriques, font beaucoup de bruit, se félicitent. L'énergie est de leur côté pour l'instant. Ouais, c'est un set quasiment parfait qu'ils sont en train de réaliser là. 24 à 10, il n'y a pas grand chose à dire de leur côté. Hein. Ils sont déjà rendus à 4 blocs à 0, 10 sur 13 à l'attaque. Et 4 aces. Et 4 aces avec une, quelle avec attaque. Une qualité de réception très haute. Allez, un peu de baume au cœur pour Wattini avec une super attaque de Baptiste Mailleux. Ah, il faut mettre le feu maintenant hein, pour les gars du Nord pour essayer de faire douter ces Canois. S'ils les laissent jouer à leurs mains, ça va être compliqué pour eux. Voilà, et c'est peut-être ce que Manu Le Provost leur dira entre les deux sets, là, d'aller peut-être pas aller toujours chercher le défi physique, mais aller chercher un petit peu des angles à l'attaque, taper la ligne, taper la diagonale. On a vu Baptiste Mailleux le faire sur la dernière situation, aller chercher une attaque petite diagonale à ras du filet. Parce que pour l'instant, à chaque fois
que Wattini a cherché le duel physique en frappant fort dans les mains du contre-canois, bah, le ballon est revenu directement dans les chaussettes, à l'image de ce qu'a très bien fait le numéro 8 canois, là, une belle attaque sur la ligne. Et encore une fois, ce n'est pas des attaques qui sont surpuissantes, mais il trouve bien l'espace. Le passeur a bien emmené son ballon proche de l'antenne. Ouais. Ça offre à l'attaquant là, les, vraiment plusieurs possibilités. Et... ouais, Arthur Santenac là, qui a fait ce qu'on appelle une attaque épaule gauche. Il a lancé, son bras au-dessus de son épaule gauche pour aller attaquer la ligne et glisser le ballon entre le contreur et l'antenne. Arthur qui fait vraiment un super premier set, hein, 6 sur 5 à l'attaque, des ballons en réception mais ça ne bouge pas, un ace et une faute, il est à plus 5. C'est avec Eban, avec Melvin, les deux joueurs vraiment qui ont bien tourné sur ce premier set, bien aidés par leur comparse, peut-être un petit peu moins servi, mais Hugo et Pierre n'ont eu qu'un ballon chacun, mais on fait le taf et surtout on fait le taf au bloc parce qu'ils en ont mis 4. Donc là pour l'instant, Kane a tout bon et Wattini va devoir rebondir. Mais on connaît quand même les valeurs du Nord. On sait très bien que toutes ces équipes ont beaucoup de cœur et une de leurs valeurs, c'est le combat. Donc on espère vraiment voir ça de leur part, essayer de mettre le petit grain de sable dans la machine canoise pour qu'il y ait plus de matchs quand même. Alors vraiment, il va falloir qu'ils trouvent des solutions là, sur le premier contact en réception de service pour permettre aux passeurs là, aux deux passeurs de démarquer un petit peu les attaquants ou d'au moins de donner des situations plus favorables. Et ensuite, les attaquants devront tâcher là, d'aller varier les coups, peut-être de faire quelques feintes derrière le contre, d'attaquer la ligne. Pour éviter la puissance physique du contre-canois. Comme on disait tout à l'heure, hein, le rapport de force service-réception, là, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Là, quasiment deux fois plus de bonnes réceptions ou d'excellentes réceptions de la part de Kane. Et même sur des réceptions positives, c'est quasiment trois fois plus. Alors que nos quatre amis de la DTN ont l'air d'apprécier le spectacle. Ça travaille dur, ça observe dur. Arnaud s'en donne à cœur joie, notre réalisateur aussi, de les remontrer. Donc, encore une fois, un petit coucou à notre ami et ex-collègue Stéphane Faure, parti à la retraite l'année dernière et qui est venu nous dire bonjour. On est vraiment très content de le voir. Je ne sais pas si on voit le score sur l'autre terrain. Là-bas, je vois un 20-16. Il me semble que c'est toujours le premier set entre le pôle de Strasbourg et le pôle de Lyon. Et je pense que c'est Lyon qui mène maintenant 21-16 dans ce premier set. Il va falloir faire les comptes. Quoique si jamais Kane continue comme ça, ça va être assez clair pour eux quand même. Hein. Allez, le début du deuxième set. La seconde arbitre vérifie les positions des joueurs de Wattini. Donc à chaque début de set, les entraîneurs doivent donner au second arbitre, alors maintenant en pro on se fait ça sur les tablettes, mais doivent noter où se situent les joueurs sur le terrain, de manière à ce que ça soit inscrit sur la feuille de match, et déjà ça réglemente toute l'organisation et l'ordre des passages au niveau du service, parce que chacun sert, chacun son tour. Ah allez, ouais, Thomas Schmidt-Strossmann au service pour lancer ce deuxième set. Et on voit là du côté de Wattini, on a un changement de passeur. Pour débuter ce set, c'est le passeur qui a fini le premier set qui continue et on a le retour du pointu Tugui. Alors c'est la première fois qu'il joue dans cette configuration parce que sur les autres matchs, les diagonales passeurs pointus c'était toujours de la barre, de le bar avec Mailleux. Et puis le Provo avec Tupou. Et là, pour la première fois, on voit Delbar avec Tupou. Alors, est-ce que ça va électriser un petit peu son équipe? Je pense que ça peut être un choix intéressant. Moi. On a hâte de voir ça, exactement. Allez, le passeur de Wattini au service. Voilà, on va voir la stratégie de service. Est-ce que Cornelier va être cherché davantage? Voilà, c'est le cas. C'est intéressant, hein, une belle fixation bien jouée de la part du passeur canois qui est allé chercher encore son central. Les centraux
le central Zaidi qui vient donc sur un temps rapide. On voit qu'il est, il est quasiment en train de sauter quand la passe elle se fait, et le contreur adverse, le numéro 18, il est en retard. Il est en retard et pas tout à fait bien aligné par rapport, à son, par rapport à son attaquant. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'on a tendance à se mettre en face à face, tête face à tête. Mais c'est, l'attaquant frappe avec son bras droit, il aurait dû être aligné face à son épaule de frappe plutôt qu'à sa tête. Et là on vient de voir une très belle attaque en 4 de la part de Tupou qui a. Le ballon n'est pas rentré dans le terrain, mais comme il a touché le contre adverse, c'est point pour Ouattini, c'est un joli block out effectué par le pointu. Le pointu de Wallis et Futuna. Un service flottant. On va chercher un peu plus dans les zones où se situe pas le libéro. On a l'impression, comme tu disais, là, que ça revient un petit peu plus agressif du côté de Ouattini. On va essayer de mettre à mal la réception adverse. Et là, Robin Wisniewski est allé faire un beau service dans la diagonale vers Corlier. Ouais, il avait déjà été ciblé là, sur la rotation précédente avec un service court. Il s'en était bien sorti avec l'attaque en balle courte du central. Mais c'est une stratégie intéressante là. On sent une stratégie collective déployée par. Et on a de nouveau le chercher, de nouveau un ace. Il y a un petit truc qui se passe. Alors je ne sais pas si c'est le joueur numéro 10, là, Corlier, qui est visé en réception ou si c'est la zone du poste 1. La zone du poste 1, c'est une zone à l'arrière droit du terrain qui est souvent cherchée par certains entraîneurs. C'est une tactique qui est souvent utilisée car c'est difficile pour le passeur de construire avec un ballon qui vient de son dos. Là en plus, le service est bon et la réception est défaillante. Très bel enchaînement au niveau du service de Wisniewski qui est allé chercher 4 fois de suite le même joueur. Court, puis en l'agressant sur l'extérieur, puis en mettant de la vitesse. Et là, pour le coup, Simon Quéron coupe tout de suite à 5 à 1 dans ce deuxième set. Peut-être que le match est enfin lancé. Il va falloir continuer à appuyer là où ça fait mal du côté de Cannes pour les joueurs en noir. Voilà, être capable de mettre une stratégie collective en place, c'est de temps en temps ce qui n'est pas simple à faire pour des jeunes joueurs. Voilà, on apprend à jouer, à attaquer une zone qui nous paraît plus faible tous ensemble. On a vu que Cannes l'avait très très bien fait au premier set. Et là, on a l'impression que les joueurs de Ouattini essayent de faire la même chose. Et on a une adaptation là du côté de ça l'équipe s'est décalé, de Cannes. Ouais, ça s'est décalé en réception. Alors un service après temps mort chez un jeune joueur. C'est dans le filet. C'est dans le filet, voilà. C'est le point du coach. C'est souvent ce qu'on constate, même à très haut niveau, hein, les coachs, on aime bien faire ça. C'est prendre un temps mort aussi pour casser le bras du serveur. Et souvent, on dit c'est une faute de cadet. Et ben, la preuve en est, c'est que bien joué, Simon. Allez, Kahn reprend le service. Zaidi, service matché depuis le poste 1. Allez, vers Adelin qui laisse échapper cette balle qui semblait pas très très vite. Et donc, c'est un ace. Et là, son plateau de réception, c'est-à-dire que la zone de réception sous ses avant-bras arrive un petit peu tard, il fait sa réception en rotation, il n'arrive pas à se mettre suffisamment en opposition et le ballon s'est échappé dans les tribunes. Cannes qui recolle tout de suite 5 à 3. De nouveau dans la zone du réceptionneur attaquant qui va enchaîner et qui va trouver une belle ligne que l'arbitre juge dehors. Elle est dehors. On est dans l'axe. Dehors, toi. Ouais, on est dans l'axe. Okay, semble... Je suis caché par la caméra. Il me semble qu'elle est assez largement dehors, cette balle. Voilà, ah oui, elle est partie derrière la joueur, mais on voit bien que la direction qu'elle prend. Et c'est dommage parce que Ouattini qui avait fait un bon début de set. Laisse Cannes revenir là sur deux fautes directes, une en réception, une à l'attaque. Allez, Ouattini n'a pas le choix. Il va falloir continuer à pousser comme ça pour essayer de mettre à mal. Et là, une réception qui va directement de l'autre côté de la part du libéro. Et le retour direct de la porte, là, ça pardonne pas. Et alors là, si je peux me permettre, autant on avait vu une belle adaptation de la ligne de réception cannoise sur le service de Ouattini diagonale. Là, on a quand même franchement l'impression que Zaidi vient attaquer la ligne devant lui et... On a le joueur visé, Adlan Ovacic, qui a une grosse zone de responsabilité. Peut-être que son libéro pourrait venir l'aider légèrement sur sa gauche.
ou pas. Ou pas. Ah là, il est peut-être un peu trop avancé. Là, il prend la réception à 10 doigts, largement au-dessus de ses épaules. Est-ce qu'elle n'est pas dehors ? Normalement, le placement sur les services de ce match, voilà, on voit les joueurs qui tout de suite sont recadrés par Manu et qui se sont reculés un petit peu plus. Normalement, les impacts forts, ils vont être dans les derniers mètres du terrain. Donc, il ne faut pas trop s'avancer. Et après, il faudra être capable de bouger les appuis. Un ballon joué au-dessus de la tête. Et là, je pense qu'il était dehors, ce ballon. Oui, tout à fait. Allez, une balle haute pour Tupou, qui trouve une belle ligne en deux. Que le Canois n'arrive pas à tenir. Retour du libéro Canois sur le terrain. Il fait une belle partie, hein, Tupou, là. 5 sur 7 à l'attaque, déjà 5 points. Allez, service flottant. On va chercher le réceptionneur attaquant qui fait un bel enchaînement avec Tupou là pour le coup qui est peut-être un petit peu trop loin par rapport à la passe. Voilà, quand on parlait de stratégie collective au service là, depuis le début du set on a le joueur le numéro 10 là, Corlier le Canois qui a été un petit peu en difficulté en réception et on offre la possibilité à un autre joueur de réceptionner et de faire une construction parfaite. C'est un petit peu dommage de ne pas aller continuer à déstabiliser un joueur. Il a pris plusieurs aides de suite, ouais. Et là, par la pipe, et ça va s'échapper. C'est dommage, c'était bien joué, c'était quand même une construction intéressante. Et Kahn a repris les commandes avec et mène 8 à 6 dans ce second set. Allez, Wattini, il faut résister encore, il faut s'appliquer. C'est déjà plusieurs fautes d'attaque que l'on voit. Allez, bonne réception de Wisniewski. On va pouvoir accélérer sur l'aile et on voit de la porte un petit peu en retard. Et Adelin qui gagne son duel face à Thomas Schmidt-Strockmann. Allez, Tupou au service. Trouver de l'impact là devant lui, là, deux réceptionneurs là, de face à lui. Le libéro étant en poste 1, est-ce qu'il va aller chercher droit devant dans le filet ? Non, Wattini s'en sort pas. Le passeur de Wattini essaye un petit peu de remobiliser tout son monde, faire relever la tête à toute son équipe. Allez, service matché, directement plein 6 sur Wisniewski. Et un bel enchaînement au centre de la part de Wattini. Ouais, Charles Vintel qui est venu là en vitesse. Voilà, là on le voit, il est sur une attaque rapide. Alors c'est pas tout à fait les temps qu'on voit au plus haut niveau. Les joueurs sont un tout petit peu plus lents à haut niveau. Les joueurs sont déjà en l'air quand le passeur fait sa passe. Là le joueur il est encore au sol. C'est la petite différence entre les deux. Et Adelin va chercher la zone du libéro qui fait une réception parfaite et qui permet à l'attaquant en 4 de Kahn de poser une feinte. Et là pour moi c'est le central qui s'est fait aspirer au contre et qui donc n'a pas de vis-à-vis qui a le ballon. En retombant il doit pouvoir aller protéger la feinte. Donc là c'est le set de Wattini qui aurait dû jouer ce ballon là. Ouais, il devait y aller. Manu Le Provo vient de lui rappeler. Allez, une attaque en 1 de Tupou sur une balle haute, pas forcément évident à gérer parce qu'elle arrive de derrière. Allez, une balle haute encore à gérer. Pouchinski qui va chercher la ligne. Et pour le coup, là on revoit au ralenti cette balle haute posée par Adelin. Et pour le coup, son attaque touche lampée. Sur le ralenti, c'est pas si évident ça. Mais l'arbitre était mieux placé. Ah, si elle touche lampée, elle est déviée. Elle est déviée. L'antenne ne fait pas partie du terrain. Alors l'antenne, c'est ces tiges que l'on voit sur le filet qui sont rouges et blanches et qui sont placées juste à l'extérieur et à l'aplomb des lignes sur le filet qui délimite l'espace de jeu aérien. Le ballon doit passer entre ces deux antennes pour pouvoir aller vers le camp adverse. Un ballon qui passe en dehors de ces antennes et il n'est pas bon pour l'équipe attaquante. Une nouvelle faute à l'attaque de Wattini est en mort demandé par Manu Le Provo. Il va sûrement demander à ses joueurs de se forcer à faire les efforts, même dans les situations les moins évidentes, à ne pas donner un point à l'adversaire.
Là, c'est un petit peu dommage. Si tout à l'heure, on a eu une faute directe, par exemple sur l'attaque en pipe, sur une bonne construction, où le ballon est sorti très légèrement du terrain, les intentions étaient bonnes. Là, les deux dernières situations, et notamment la dernière sur un ballon qui était difficile, eh bien, si le joueur ne pouvait pas marquer le point, il devait tâcher de ne pas le perdre et de rendre le ballon aux adversaires pour miser ensuite sur une contre-attaque. Allez, De Laporte qui reprend le service après temps mort. Alors, il assure son service sur le libéro qui fait une belle réception. De nouveau un jeu par le centre, mais pas vraiment bien appuyé. Et là, sur la contre-attaque, la passe était un peu à l'intérieur et le bloc de Wattini, le double contre de Wattini, s'est bien formé, a été assez homogène. Point pour Wattini, 9-12. Allez, remettre la marche avant. Pourquoi pas aller chercher dans cette diagonale là-bas le joueur tout à l'heure qui était en difficulté en réception pour essayer de mettre à mal. Et là, encore une fois, trop facile. Cette réception qui est faite en passe parce que le ballon n'allait pas très très vite et qui permet au passeur de Cannes de facilement trouver son attaquant. Vraiment que Wattini là, arrive à mettre plus en difficulté cette réception cannoise. Ils avaient trouvé tout à l'heure une solution qui était intéressante, mais ils ont du mal à la répliquer. Allez, bonne réception pour Wattini, un bon renversement de jeu pour le pointu Tupou qui s'est fait bien défendre avec une belle contre-attaque. Encore une fois, là c'est un joli point avec beaucoup de rallye et même Manu Le Provo essaye de la jouer celle-là. Bien sûr, il n'a pas le droit. Je pense pas que son joueur... Et puis elle cherchait. Ça me rappelle une défense de Laurenti pendant les Jeux Olympiques. Ça avait tourné en boucle, ça fait rire Manu. Et alors j'aimerais bien souligner là, le travail du numéro 8 cannois, là, Arthur Santenac, qui est extrêmement précieux pour son équipe. Là on vient dans le dernier point là, de le voir faire une énorme défense. Au poste 6, donc à l'arrière du terrain, au centre du terrain. Il est très 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 précieux, il a une très bonne qualité de réception, il prend de la place, il couvre son attaquant prioritaire dans la ligne de réception. Et puis quand il a des ballons à l'attaque, il arrive tout de même à être efficace. Sacrément efficace, 7 sur 9. C'est une très belle partie, il est à plus 7 en ce moment. Ouais, ce serait mon MVP pour l'instant. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Ça stabilise bien son jeu, ça permet, comme tu disais, de libérer l'autre réceptionneur attaquant qui a été mis en difficulté tout à l'heure. Donc charge aux joueurs du Nord de l'éviter peut-être en réception. On se retrouve encore tout à l'heure, un petit peu comme tout à l'heure, avec le réceptionneur numéro 10 dans la diagonale, celui tout à l'heure qui était mis à mal. Et non, là il est bien couvert par son libéro. Le passeur cannois est dans une bonne situation. Énorme contre de la part de Tupou. Sur son homologue cannois, un monster block. En 1 contre 1, magnifique contre. On voit sur la réalisation d'Arnaud là, au ralenti. Il n'a pas bougé, là il est bien droit, les mains bien en face. Et là, l'attaquant cannois vient s'empaler complètement sur lui. Allez, ça peut peut-être redynamiser son équipe. Allez, on va encore rechercher le libéro, mais il est mis à mal sur un service. Ouais, c'est un bon service. Une feinte pour toucher le passeur. Et donc, c'est un non-passeur qui fait la passe. Tupou rend aussi la balle. Ballon en 4 pour Cannes. De nouveau contré. Mais cette fois, le ballon va dehors. Les Cannois gagnent l'échange. C'est un petit peu dommage là que les 5 joueurs qui vont au soutien derrière Tupou à l'attaque là, l'encouragent pas à frapper fort cette défense. On a l'impression qu'on était à un moment où peut-être Wattini pouvait venir raccrocher. Et il fallait sûrement prendre un risque là sur cette balle haute plutôt que de poser une feinte derrière le contre. Ah, le joueur Wattini ne l'a pas senti effectivement. Il va falloir prendre des risques pour Wattini s'ils veulent rester en vie dans cette partie. Ils sont menés 15-12 dans ce deuxième set. On rappelle que c'est une partie qui joue en 3 sets secs. Donc si Cannes remporte ce set, ça fera une victoire supplémentaire. Et ça va compliquer les choses pour les joueurs du Nord. Belle réception encore, une balle bien accélérée en poste 4 mais défendue par Wattini. Tupou qui pose encore une feinte, mais là il y a le libéro en poste 5. Donc là pour le coup c'est le meilleur défenseur aussi. Et derrière la contre-attaque, toujours pour notre MVP du moment, M. Santenac, qui trouve une belle ligne
et qui va être à son 8e point à l'attaque sur 10 tentatives. Sur 11, il s'était fait défendre la première attaque du point. Ben oui, bien joué. Bien joué, bien suivi. Ah non, c'est très solide ce qu'il fait pour l'instant. C'est propre. Hein. C'est pas le plus physique de la ligne, mais. Ah, et là, ça fait trois fois de suite que le pointu de Wattini n'arrive pas à frapper. Et voilà, encore une fin de posée. Il n'y a pas de. Qu'est-ce qui se passe ? Contestation. Oui. Alors que le point était joué. Le point était gagné. Allez, on enchaîne. Là, clairement, les Canois ont pris le large. 17-12. Ouais, je pense qu'ils contestent cette balle jouée par le pointu et qui semble. Le bras de Toupou touche l'antenne. Ouais. Effectivement, il y avait faute. Allez, c'est continu à servir assez fort sur le libéro, mais la réception elle est correcte. Et là, de la porte a très bien lu. Un joli bloc, un joli double bloc, alors que la situation était plutôt positive pour Wattini avec une bonne réception, même s'il passait reculé légèrement. De la porte, il est resté bien au milieu de son filet et en lecture, il a pu aller là où allait le ballon et donc compléter le bloc de son ailier et assurer ce 18e point pour Cannes. 18-12. Daïdi au service avec le libéro en plein milieu. Il essaie d'aller chercher comme tout à l'heure Adlan Novacic, mais il dévisse un petit peu sa frappe qui s'échappe sur le côté. Ah, ils ont pris un coup sur le casque, je trouve, les joueurs du Nord. Ouais, pourtant, ils font un set qui est quand même d'un meilleur acabit que le premier. C'est dommage, ces petits sauts de concentration, ces sauts d'intention de temps en temps. Encore une belle réception. Centenac à 10 doigts, ouais. Bien freiné au contre, là, l'attaque de la porte. Et là, Adlin va pouvoir enchaîner. Et il pose un joli ballon sur la ligne, sur un double bloc qui était formé. Ils s'en sortent bien, les joueurs du Nord. Mais là, comme tu disais tout à l'heure, la stratégie au niveau du service, le joueur numéro 10 ne touche pas assez de ballons. C'est lui qui était en difficulté tout à l'heure. Et il faudrait que Gorlier, pour les gars du Nord, touche un petit peu plus de balles. Là, ils se sont bien avancés. Et non, on va toujours chercher Santena qui arrive à tenir et à enchaîner. Et un bel enchaînement encore en 4 avec un contre en solitaire de Toupou, mais qui avait décidé de plutôt fermer la ligne. Et là, Santenac va, vous allez le voir, là, se projeter vers l'intérieur du terrain et bien finir le jeu. Toupou fait le boulot. Hein. Il était un petit peu trop neutre. Il aurait pu jouer un petit peu plus avec son attaquant, mais c'est compliqué en 1 contre 1. Ah ouais, il faut tenter des coups. Mais ouais, c'était difficile d'ouvrir encore plus la ligne, ouais. Étant donné que Santenac l'avait attaqué il y a deux situations. Et là, on se retrouve de nouveau pour Wattini à jouer sur une balle haute, défendu. Le joueur de Cannes font jouer les gars de Wattini. Passe du passeur. Belle frappe de Toupou dans la diagonale, mais bien tenue. Et là, le passeur cannois arrive à poser une feinte à l'angle des 3 mètres. Là. Et là, on sent l'équipe en noir toute désabusée. Les bras sont ballants. Ça réagit plus trop. 20-14 pour Cannes. La réception en difficulté. Et Toupou qui se retrouve encore avec un double bloc. Et là, il n'est pas passé sous le fil, mais il cherche à passer en force. Il a un peu enfoncé le contre là. Et c'est un peu des points à l'arrache, comme on dit là. Ils ont du mal à poser leur jeu et à mettre en difficulté l'équipe canoise qui déroule encore. Malgré un passage à vide au début du set, tout de suite rectifié. Ah là, ça c'est plutôt intéressant. Et voilà, ça y est, voilà. Là, une situation. Et donc là, ils ont une belle situation, défendue. Allez, Toupou. Eh non, il va pas pouvoir attaquer sur ballot. Balle rendue pour une relance pour le libéro. Et là, on va avoir une. Oh, la jolie pipe, bien défendue aussi. Et la balle. Oui, dedans. Oh, l'arbitre la donne bonne. Ah, c'était une jolie contre-attaque de la part de Cannes. Là, hein. On a vu une jolie pipe avec l'attaquant que l'on voit, le numéro 7 qui vient en flotte là, il va se décaler et ouvrir l'espace entre lui et le passeur pour l'attaquant ailier. Bien défendu par Wisniewski qui défend direct et qui va trouver le cadre. Aïe aïe aïe, Toupou qui n'arrive pas à enchaîner. Ça laisse passer trop d'occasions. Ah, vraiment, je reste un petit peu sur ma faim là, sur les intentions collectives de Wattini. Là. Ils sont capables de faire des choses très intéressantes de temps en temps.
quand ils vont attaquer la bonne zone au service, quand Tupou a plus de ballons sur des situations favorables. Changement de passeur pour Ouattini, c'est la rentrée à nouveau d'Edouard Le Provost. Ça provoque une petite coupure et le serveur canois, il n'a pas fait beaucoup de fautes, hein. C'est peut-être sa première faute de l'après-midi pour lui. Hein. Deuxième. C'est toi qui tiens les comptes. Il me semble, non ? Ouais, t'as raison. Deuxième photo service avec un ace. Les photos service, je dirais pas que c'est moins grave, mais. Ah, deux fautes, un ace, il est dans le ratio, hein, on va dire. Voilà, surtout qu'à l'attaque, pour l'instant, on fait une super partie à l'attaque. 10 sur 14, 0 contre, 0 ball out à l'attaque. Ouais, c'est très solide quand même comme match, hein, de la part de Santonac. 22-17 pour Cannes. Cannes qui se rapproche inexorablement du gain de ce deuxième set et de la victoire, même si on jouera forcément le troisième set. Pour le coup, Cannes aura assuré le travail. Ah là, la passe est un petit peu basse. Et les Canois, on sent qu'ils se libèrent un peu. Ils jouent même encore plus vite. Ils ont essayé de faire une balle très accélérée sur l'aile, mais peut-être un petit peu trop. Et puis pour le coup, l'enchaînement n'était pas facile. L'attaquant n'a pas eu le temps de se replacer. Il se laisse déborder par le ballon. Et donc son attaque termine dans la bande et surtout touche l'antenne. Et donc point pour Ouattini. 22-18. Alors une coupure de jeu de vieux briscard qui essuie le parquet qui a l'air mouillé. Ou pas. Petite coupure pour le serveur, petite pression supplémentaire. Et pour Charles Viltel, on l'a vu, tu as d'ailleurs attaqué en balle courte sur la droite du terrain, c'est son angle fort. Il sert au même endroit. Belle défense. Encore une petite poussette au filet. Encore un peu. Et ça s'échappe. Il a dit qu'il laisse échapper. Simon Quéron qui montre peut-être une photo au fil. Mais on la voit là, cette balle. Ce duel au filet entre les deux centraux, pas dire forcément remporté par le joueur de Ouattini, mais qui a mis en difficulté l'équipe canoise. Allez, deuxième service consécutif. Allez chercher sur le numéro 8 là, c'est pas encore la bonne solution. Et le numéro 10 qui est tout seul à l'aile. On le gêne pas du tout dans son enchaînement en plus. Et là, c'est trop compliqué en 1 contre 1. On est sur une situation, comme on disait au début du match, là, quand on évoquait les rapports de force, une situation qui est trop favorable à l'attaquant avec une belle passe. Et là, les attaquants sont en plus en confiance. Et ça déroule. Allez, service sur Adela Novacic. C'est pas le passeur qui fait la passe, c'est le pointu. Donc là, Ouattini, ça joue un petit peu à l'envers. Ça soutient pas. Ça manque de combativité, 24-19. On peut déjà dire que c'est une balle de match pour Cannes. Service Thomas Fitz-Trockmann qui va chercher Adelin. Bonne réception. Un bon point de fixation. La passe qui n'arrive pas complètement sur Tupou. Ah, c'est un jeune passeur, hein. Il a très peu d'expérience, cette compétition-là, j'espère, va servir pour lui de point de départ, hein, sur lequel il va pouvoir construire ses futurs mois de travail. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une petite différence avec son homologue adverse. Et Cannes vire en tête 25-19 sur ce deuxième set. On peut dire qu'officiellement, Cannes est qualifié. Et en plus d'être qualifié, il assure la première place avec 3 victoires. À voir ce qui va se passer sur l'autre terrain là-bas. Entre Lyon et Strasbourg. Et si Strasbourg se mettait à gagner, ce qui est pour l'instant, ils mènent combien ? 17-10, je pense, sur ce deuxième set. Dans le deuxième set, ils vont égaliser. Strasbourg va égaliser. Ça va se jouer, je pense, sur un troisième set sur l'autre terrain. Donc si Ouattini avait la bonne idée d'aller décrocher ce set-là, et si Strasbourg, pour Ouattini, avait la bonne idée de remporter la partie 2-1, ça pourrait encore se jouer. Il faudrait sortir les calculatrices. Et là, on laissera faire le,
le staff de la DTN, monsieur Franck Castel est sur l'ordinateur, suppléé par le magnifique logiciel de monsieur Gibert. On salue s'il nous écoute. Allez, l'entre-deux-sept, les 3 minutes réglementaires pour faire souffler toutes les équipes, pour permettre au coach de recaler ses joueurs, de donner les feuilles de position. Et on va enchaîner. Ce dernier set avant le dernier match de la journée à 18h30, qui les deux matchs de l'autre poule, où Châtenay affrontera Montpellier et Bordeaux affrontera Dinard. Et c'est pareil, c'est une poule où c'est assez partagé. On laissera les prochains commentateurs expliquer les enjeux de cette autre poule. Strasbourg qui continue là-bas d'avancer. 19-11. Alors on va faire un double commentaire, on va se commenter de loin en attendant que l'autre match reprenne. Allez, ça y est, c'est reparti chez nous aussi. Les Canois sont sur le terrain. Ouattini aussi. Et alors, vu que Cannes a assuré sa qualification, on va avoir de nouvelles têtes sur le terrain. Ouais, et on va passer surtout de la porte en récep. Changement de poste pour lui. Un poste, je pense, sur lequel il va travailler dans l'avenir. Aujourd'hui, il rend bien des services sur ce poste de central. Il a envie de tenter ce changement de poste parce que ça, c'est des sets pour lui qui sont vraiment, vraiment importants. Et là, Simon, il a bien compris. Il est vraiment dans ce travail-là de lui donner l'opportunité de se tester en compétition officielle sur un poste qui est un petit peu nouveau. Donc ça, c'est aussi ce que permet cette formule et ce que permettent de faire ces sets complémentaires. C'est de pouvoir faire tourner, faire jouer des jeunes, des joueurs un peu plus jeunes, ou alors de pouvoir proposer à des joueurs des changements de poste, parce que vraiment rien ne remplace le jeu, comme on disait hier, et c'est une belle opportunité pour pouvoir s'essayer. Allez. Un nouveau jeu par le centre. Ouais, c'est Santana qui a glissé au poste de pointu d'attaquant prioritaire. On va voir s'il va être sollicité quand même en réception, puisqu'il a montré de très belles aptitudes là depuis le début de la partie. Allez, Santana justement qui n'a pas réussi à tenir la jolie attaque petite diagonale. Voilà, depuis le début de la partie, là, on parle de passeurs, de pointu, de réceptionneurs attaquants, de centraux. En résumé, une équipe de volets, hein, c'est un passeur là, chez les garçons et chez les filles au très haut niveau, c'est un passeur. À son opposé sur le terrain, un attaquant de pointe, souvent c'est un profil offensif, il va souvent être sollicité de la zone arrière ou sur l'aile droite du filet. Deux réceptionneurs attaquants qui, avec le libéro, se chargent de la réception, du premier contact, quelle que soit la rotation, et vont attaquer sur l'aile gauche. Et enfin, deux centraux, des profils un petit peu plus grands, souvent spécialistes du contre, qui occupent, leur nom l'indique, le centre du terrain et vont attaquer en balle courte. Ici, sur cette première offensive, le numéro 17, Canois. Là, l'arbitre siffle une faute de fil du numéro 15. Le numéro 15 Canois qui a essayé, comme tout à l'heure, de jouer la poussette, là, de vouloir pousser le ballon vers l'extérieur en faisant toucher les mains du contre adverse, mais on le voit là sur ce magnifique ralenti qu'Arnaud nous propose, et ben la main de l'attaquant numéro 15 touche aussi le filet, donc ça c'est une faute. Point pour Ouattini, mais techniquement l'intention en tout cas elle était assez juste de vouloir aller toucher de faire ce block out en poussant. On voit beaucoup de joueurs utiliser ça dans leur palette technique et c'est des choses qu'on essaye aussi de développer chez eux. C'est des super solutions pour se sortir de situations un peu compliquées. Pour l'instant, un début de set avec beaucoup de fautes, que ce soit au service. Là, on voit une réception qui échappe à Adelin. Une relance pour Cannes. Et ouais, le nouveau pointu cannois, le couteau suisse cannois qui continue à se régaler offensivement. Cette fois, à l'attaque en deux.
Allez, Thomas Duval au service. Service flottant. Poste 6 sur Adelin. Voilà, une belle balle assez haute de la part de d'Edouard Le Provost pour son pointu. Dupou qui fait une magnifique attaque. On va voir là, il va attaquer son ballon assez haut au niveau de l'antenne. Là, une antenne qui est 80 cm au-dessus du filet. Pour vous donner un peu l'idée des hauteurs. Allez, encore un jeu par le centre de la part de Cannes. Et une belle contre-attaque par Wisniewski qui trouve encore une fois les mains du contre adverse. Et par ce block-out, remporter le point. Là, on le voit, il va toucher la main extérieure du numéro 8. Allez, Tupou au service. Un service ce matché pour essayer d'enfoncer la réception adverse. Bien tenue par Delaporte, même si le passeur est à 3 mètres et pied au sol. Ce qui permet à Wattini de faire un double bloc. Mais malgré ça, les défenseurs de Wattini, malgré un ballon ralenti par les bloqueurs, n'ont pas réussi à sauver ce ballon. C'est ce type de ballon-là qu'il faut réussir à attraper. L'adversaire n'était pas en situation très favorable. Et donc, sur ce duel attaque-défense, les défenseurs, ils ont un peu plus de chance. Un beau service matché dans la diagonale. Passe du non-passeur. Et Tupou, là, qui perd un peu les pédales avec cette tentative de roulette complètement ratée. Ouais, c'est un petit peu dommage parce que même si la réception était délicate, la passe de transition assurée par Adelin Novacic était plutôt satisfaisante, plutôt belle, et il aurait dû prendre sa chance. Ah, c'est une des caractéristiques, tu le disais, des attaquants pointus, c'est leur capacité à pouvoir attaquer fort sur des balles hautes et donc sur des situations minimum face à plusieurs bloqueurs. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de leur poste. Ils doivent être capables de se sortir de situations compliquées. Quand là, Edouard Le Provost arrive à trouver Charles Viltel au centre, qui arrive à conclure ce point. Allez, Wattini reste accroché. 6-7, Wisniewski au service pour essayer de marquer ce set qui pourrait avoir de l'importance, parce que sur l'autre terrain, on est à 1 partout. Et donc, ce set remporté là peut avoir de l'importance si Strasbourg gagne cette rencontre. Service un petit peu long. Ah, c'est un petit peu dommage là, encore une fois, là, ce début de set de Wattini. On a deux joueurs moins spécialistes en réception. Et on a l'impression dans la ligne de réception de Cannes. Et on a plusieurs fautes au service. Il serait de bon ton de les faire jouer un petit peu plus. Une faute à l'attaque pour Santenac. Alors c'est sa première faute à l'attaque du match. Il était à 11 sur 15. Mais là, il est sur un poste qui n'est pas tout à fait le sien. On le voit, il est sur la ligne arrière. Il a pris le poste de pointu. Il va devoir attaquer sur la droite du filet et en sautant en 3 mètres. Ce qui n'est pas forcément, évident à faire. Et Simon Quéron lui dit de travailler le ballon. Si le ballon n'est pas parfait, de faire jouer. D'être patient, exactement. Oh, beau service. Le libéro, il s'est fait avoir sur la lecture du jeu. Là, un ballon flottant au niveau du service. Un ballon qui a bougé au dernier moment. Et on verra là au ralenti qui a plongé sur la gauche du libéro alors que celui-ci se déplaçait vers la droite. Il n'était plus du tout en appui. Et c'est trop compliqué de placer ses avant-bras sous la balle pour ne pas prendre l'ace. Allez, le libéro encore sollicité. Cette fois, il tient bien la balle. Ce qui permet aux Canois de passer par le centre. Une belle attaque en fixation de Gabriel Duflo qui va enchaîner au service. Et retour sur le terrain de Thomas Duval au centre. Il se retrouve avec son compère Delaporte. Cette fois, lui, a basculé récep attaque. Allez, Wattini face à une belle ligne de bloc. Là, pour le coup, Duval s'est engagé au centre. Il a cru que le ballon allait se jouer chez le central adverse. Et donc, hop, on le voit, là, il a sauté dans le vide. Et donc, ce qui a permis à l'ailier de se retrouver en 1 contre 1. Allez, service au Pro, service matché dans la zone de Delaporte qui fait un retour direct. Là, c'est un travail sur relance. Ouais, belle contre-attaque de la part de Wattini. Voilà, ça, c'est,
c'est quelque chose qu'il faut être capable de faire, punir l'adversaire qui fait une réception un peu moyenne, qui nous rend la balle, et le central qui fait un bel enchaînement, une belle relance, resservi immédiatement par son passeur sur une attaque en fixation. Le point est conclu, on engrange 19 pour Wattini. Et le Provost qui va chercher de la porte pour essayer de le faire bouger. Oh là ! Alors ce point-là, il faudra le revoir, Arnaud, parce qu'il y a eu un point un peu casquette de la part de Delaporte qui s'est fait contrer et qui s'est auto-soutenu avec le pied. Auto-soutien avec le pied. Alors c'était juste avant ça. On va y arriver. Voilà, sur cette attaque-là, Tupou va le bloquer. Le ballon va venir rebondir sur le pied de Delaporte qui s'auto-soutient, ça compte comme une touche en défense, et derrière le jeu a poursuivi et Wattini a pu conclure par une belle attaque. Allez, est-ce qu'elle passe celle-là? Elle a dû être touchée par le contre. Manu n'a pas l'air d'accord. Manu n'a pas l'air tout à fait d'accord. Il estime que l'attaquant de Cannes, Santonac, n'a pas franchi l'attaque du n'a pas franchi le filet. Et l'arbitre, lui, estimait qu'il a été touché par le contre. Et donc, derrière, Cannes avait de nouveau possibilité de 3 touches pour pouvoir attaquer le camp adverse. Allez, Adelin, il est allé faire sa réception et enchaîner à l'attaque. Joli enchaînement. Allez, entre les bras du contre, cette fois-là. 11 partout entre les deux formations. Hey, avec ce rapport de force là, Wattini a la possibilité d'aller chercher le 7 là. Avec un petit peu plus de constance. Allez, on essaie de vous tenir informé. C'est les Lyonnais qui mènent 2-0 dans ce dernier set là-bas de leur confrontation face à Strasbourg. Ça pourrait avoir une importance pour le match que nous regardons. Encore faut-il que Wattini voilà, fasse cet effort. Oui, et là il va y avoir une faute qu'on va devoir expliquer. Alors le numéro 2 de Wattini, qui est le passeur, on le voit, il était au filet là et il a contré la balle alors qu'il était joueur arrière. Donc il n'a pas le droit d'aller toucher le ballon au-dessus du filet, même s'il ne saute pas beaucoup. Comme il est assez grand sur la pointe des pieds, on va voir, il va toucher le ballon au-dessus de la bande blanche. Et ça, c'est un geste qui est interdit pour un joueur arrière. Et donc l'arbitre a sifflé. Faute de bloc. Allez, encore un enchaînement pour Adelin qui se fait défendre dans la diagonale par le passeur de Cannes. Et Delaporte qui s'en sort pas trop mal en 4 là. Alors toi qui suis les comptes, Julien, tu vas savoir faire la différence entre les attaques de Pierre entre le poste 4 et puis son jeu au centre. Il semble qu'il en est à sa deuxième. Ouais, deuxième il doit être à 2 sur 2. Il semble qu'il est à 2 sur 2 à la place au poste 4. Bien. Et là on a Manu Le Provost qui prend son temps mort à 13-11. Ouais, c'est peut-être un petit peu dommage de pas donner plus de situations. À son pointu là, Tupou, là sur des situations franches. Pour l'instant, il est beaucoup sollicité sur des ballons difficiles, des balles hautes. Ce sont pas les ballons les plus faciles. Et pour engranger de la confiance, c'est pas le plus aisé. Ça s'apprend aussi avec l'expérience. Comment conserver ses attaquants dans le match? Comment faire, comme tu dis, garder confiance à son attaquant, à son pointu? On va en avoir besoin sur les ballons moyens, donc il faut le garder dans le match aussi sur des bonnes situations pour qu'il puisse briller, marquer des points et puis être plus en confiance sur les ballons difficiles. La gestion de ses attaquants, c'est quelque chose pour un passeur qui est vraiment importante. Voilà, là il va lui donner face à un double bloc et là Tupou est enfermé, il est un peu moins performant depuis qu'il est re-rentré. Il n'y a pas trop de solutions. Et c'est Cannes qui s'envole dans ce troisième set, 14-11. Et sur l'autre terrain, 5-1 pour Lyon. Strasbourg a pris un temps mort. Mauvaise passe là pour Wattini. Mauvaise passe, une réception qui était un petit peu rapide, agressive vers le centre du terrain. Un déplacement qui n'était pas parfait de la part du passeur. Et un point direct concédé. Et il va falloir trouver une solution. Là, si Wattini veut se laisser une chance. On n'abandonne pas. Alors on recherche par le centre du terrain, par une pipe. Même si le timing n'est pas des plus parfaits. Le passeur a essayé de trouver une solution supplémentaire vu que ses bouts de filet n'arrivaient pas à tourner. Alors voilà, on retrouve des
des formes de jeu là, qu'on voit chez les catégories jeunes, moins de 15, moins de 18 ans, et qui tendent à être abandonnées vers le plus haut niveau. Là, c'est 3 mètres hautes au centre. Joli coup. Et une belle attaque par le centre avec un contreur central qui est allé sauter sur le passeur. On le voit au ralenti, donc ça a complètement libéré son attaquant central qui s'est retrouvé en 1 contre 0 et qui a pu faire une belle attaque. Pourtant, le passeur était de la ligne arrière et ne pouvait pas faire de deuxième main. Mal lu, mal préparé son point de la part du contreur. Là-dessus, il ne faut évidemment pas sauter sur lui quand on est au contre. 16-13 pour Cannes. Encore un peu d'espoir pour Wattini. Allez. Et toujours le libéro qui est touché. Une bonne réception. Et là, il s'est bien servi du point de fixation au filet. Encore une fois, bien joué de la part du passeur de Cannes qui a attendu son central suffisamment. La fixe était crédible. Le central adverse s'est engagé sur lui. Et derrière, l'attaquant a été démarqué. Il s'est retrouvé en 1 contre 1, ce qui facilite les choses. Allez, Awatini maintenant de répondre. Une balle un petit peu plus haute. Et là, il est aussi performant au niveau du contre, notre ami Santenac. Ah ouais, et puis on remarque là que le jeune passeur, là, Robin Devecchi, là, le numéro 12 de Cannes, qui vient de rentrer pour ce troisième set, fait une belle rentrée. Il se débrouille bien, là on vient de voir quel corse il vient de nous faire. Ah, une deuxième défense là. Contre-attaque, soutien, on voit quel engagement collectif et ça paye du côté de Cannes. Alors là on va pas avoir assez de temps pour montrer toutes ses actions en ralenti, mais la première corse de l'échange. Et s'il suffit de le demander pour Arnaud, la Corse est magnifique. Elle est splendide. La Corse et ce magnifique geste défensif qui consiste à placer la main juste sous le ballon quand il se rapproche du sol et donc empêcher le ballon de toucher le sol et le garder en vie. Et celle-là, elle n'était pas pour la photo parce qu'il est allé la chercher vraiment loin de sa zone de défense, quasiment de l'autre côté du terrain. Magnifique. Là, on a un beau duel aussi. Alors, les deux passeurs, c'est des passeurs qui sont assez jeunes. Ils sont nés en 2008 tous les deux. Quand les plus vieux sur la compétition sont nés en 2006. Et à cet âge-là, chez les garçons, il y a une grosse différence qui commence à s'opérer. Donc pour ces jeunes joueurs-là, pour qui c'est souvent les premiers Interpol, c'est aussi l'occasion de, comme on disait tout à l'heure, pour certains joueurs qui changent de poste, comme de la porte, c'est une belle occasion de prendre de l'expérience pour eux et puis de pouvoir se confronter à des joueurs un peu plus vieux. Comme ça qu'on grandit. C'est pour ça que les Interpol, on y tient énormément. On veut à tout prix que ces compètes existent et que ce format perdure et qu'on en fait même deux dans l'année. Une en janvier, une en mai. Qu'on vienne évaluer sur le terrain et en compétition officielle les progrès réalisés toute l'année à l'entraînement. Et on s'entraîne pour ces moments-là. Et c'est vraiment toujours des belles fêtes du volley que les joueurs attendent avec impatience. Ah, et il est malin aussi. Il a bien. Ah, encore une première main très bien sentie là. Même si Santenac fait encore une faute. Alors qu'il avait été plutôt bien servi par Devecchi là. Devecchi, ce que j'aime bien depuis sa rentrée là au troisième set, c'est tout son jeu derrière lui, ses passes arrière. Il a été capable de démarquer, d'accélérer le jeu derrière lui. Et dans la compétition, on n'a pas vu tant de passeurs que ça être capable de jouer rapidement vers les deux ailes. Il y a une belle doublette de passeurs là à Cannes. C'est solide. Et même Thomas Schmidt-Strossmann, c'est un passeur qui est jeune aussi, qui était de 2008 aussi. Donc là, on a vraiment des passeurs très jeunes sur un poste qui nécessite quand même un peu de maturité. Donc pour eux, c'est un bel enjeu que de faire attaquer des joueurs souvent un peu plus âgés qu'eux en plus. Pouvoir tenir le lead de son équipe. Et là on voit des belles images parce que ce sont plutôt les remplaçants du côté cannois qui sont sur le terrain et ils performent, ils font des belles actions comme ce superbe contre et on voit tous les titulaires des deux premiers sets qui fêtent le point sur le côté. Le bloc à 3 était vraiment magnifique, la vue sur les images, bien coordonné, bien homogène. C'est quelque chose qu'il faut, on sent que c'est travaillé parce que c'est pas quelque chose qui est naturel de faire ce déplacement là.
pour l'ailier qui vient compléter le bloc, le troisième bloqueur, comme on dit, ça lui fait faire un long chemin le long du filet. Il a 7-8 mètres à faire pour aller compléter ce bloc. Et il faut un peu de lecture, un peu de communication pour y arriver. Est-ce qu'on voit le score de l'autre côté? 9-7, ça a l'air assez accroché entre Lyon et Strasbourg. Ouais, tu parlais du contre là juste avant. C'est vraiment des aspects du volleyball qui demandent beaucoup de répétition, beaucoup d'agilité, beaucoup de coordination quand ce sont des blocs collectifs à 2, à 3. Ce sont des choses qu'en club, de temps en temps, ils n'ont pas tout le temps de travailler, de le répéter. Ce sont comme des chorégraphies dansées. Et puis là, on a eu un bel exemple là des trois contreurs canois. Ah, j'aime bien cette expression. C'est vraiment une danse, ouais, c'est une chorégraphie, comme tu le dis. C'est exactement ça. On se donne ce temps-là pour le faire. Il faut trouver ce temps-là. Et le temps long du travail, le fait de pouvoir répéter les choses, de prendre son temps, c'est des choses que l'on peut se permettre en pôle. Et la réalisation, comme on disait aussi, c'est de les voir réaliser sur le terrain en match ce bloc à 3. Ça veut dire que ça y est, ils commencent à maîtriser cette situation, ils commencent à avoir envie de la produire en match. Et c'est une vraie preuve pour les entraîneurs de maîtrise. Je te coupe parce qu'on a une petite décision arbitrale sur là. Alors on a une balle accompagnée. Donc celle-là, elle n'a pas été considérée accompagnée. Et celle-ci, oui. Bon. Voilà. Alors le contact doit être bref, c'est ça la règle. Maintenant, ça reste à l'appréciation de l'arbitre. Et donc là, on était déjà sur une balle de match pour Cannes. Enfin, une nouvelle, une balle de 3-0. Wattini reste en vie à 18-24. On ne voit pas trop comment ils vont réussir à inverser la tendance sur ce dernier set. Quand sur l'autre terrain, égalité parfaite, 10 partout au troisième set, ça bataille dure. Allez, un bon service d'Edouard Le Trovo. Et en face, eh ben, écoute, notre ami de la porte, en 4, c'est pas mal aussi. Il va falloir bien bosser la réception, mais offensivement, il a montré qu'il savait faire des choses. Et les Canois qui remportent cette rencontre 3-0 et qui se qualifient premier de poule. Oh ouais, c'est un résultat assez logique. Hein. On a vu quand même un effectif bien plus complet. Des passeurs plus précis et puis qui ont forcément plus de solutions. Voilà, c'était difficile de voir là par quel moyen Wattini pouvait renverser le score, parce que les centraux avec de la porte sur les deux premiers sets aussi ont été dominants côté canois. Non, franchement, c'est une belle prestation côté canois et ils font partie bien sûr des favoris de la compétition. Ah, ils sont premiers de poule maintenant. Hein. Une prestation, ouais, bien maîtrisée, un match bien maîtrisé de leur part. Félicitations à eux. Quand il y a 11-12 sur l'autre terrain entre Lyon et Strasbourg. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette dernière rencontre de poule entre Cannes et Wattini. On vous rappelle Cannes qui remporte ce match 3-7 à 0 et qui prend la première place de cette poule et qui se qualifie pour les demi-finales hautes. La prochaine rencontre sur ce terrain verra s'opposer Châtenay à Montpellier à 18h30. Donc on vous retrouve à l'antenne 10 minutes avant pour la prise d'antenne et vous présenter les enjeux de cette rencontre. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Julien, c'est encore avec plaisir. Merci Jocelyn, c'était un très bon moment. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. Et on vous dit à tout à l'heure. Et merci Arnaud et toutes ses équipes pour la réalisation. À bientôt, au revoir.